quoi. Pendu. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, une petite vidéo unboxing. Donc c'est Carla Sport qui m'a envoyé un petit colis. Donc il m'a envoyé un petit colis, il vous donne un code promo donc sur son site, il vend du matériel de pêche. Je vais vous montrer un peu ce qu'il vend. Il m'a envoyé 2-3 petits trucs classiques, disons. J'ai pris 2-3 petits trucs classiques pour vous montrer ce qu'il propose. N'hésitez pas à aller voir, code promo, je vous l'affiche et il est dans la description. Et c'est parti. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, voilà. Plein de petits trucs. Commençons. Alors, j'ai pris des Ripple Shad en 16 cm. Coloris plutôt naturels. Là, puisque les brochets, on les pêche sur des plateaux en ce moment. Et ça réagit bien sur ce genre de taille. 16 cm, entre 14 et 16 cm, c'est la taille la plus polyvalente pour prendre du brochet, faut le savoir. C'est vraiment la taille où on fait le plus de touches et avec des poissons de belle taille. On peut prendre du petit, on peut prendre du gros, on peut prendre un peu tout. C'est vraiment la taille la plus polyvalente. J'ai pris également un petit leurre à truite, donc du Ilex, du Tricorol HW en 67, coloris Veyron. Voilà. J'ai pris un Dr Spinner, donc Spinflex de chez Delalande. J'en avais un le même l'année dernière, mais on l'a perdu, Alexis l'a perdu. Donc en voilà un autre pour le remplacer. J'ai pris 2-3 petits leurres également à l'unité. Il fait sur son site des leurres à l'unité. Donc pour pêcher sur le canal, du squeletton, très très bon leurre, un en rose, un en jaune. Et un petit Ripple Shad pour compléter la commande. Voilà. J'ai pris un Forplay également. Voilà. De chez Savage Gear. Forplay, lui, c'est je sais plus combien de centimètres. 13 cm. 21 grammes. Voilà. Coloris plutôt naturel, encore une fois. J'ai pas mal de coloris flash sur les leurres, donc j'essaie de prendre un peu de naturel. J'ai pris du Black Mino 70 pour pêcher la truite. On n'en a pas assez pour pêcher la truite. On n'en a pas du tout des leurres soupe, presque pas de leurres soupe pour pêcher la truite. Donc on va tester le Black Minnow. On nous a dit beaucoup de bien et on voulait tester, donc en voilà. J'ai pris également des petits émerillons barils pour ponter mes gros leurres en montage chalot pour faire des montages 360, etc. Donc j'ai pris des petits émerillons barils là. Et on finit par du gros, des big baits. Je pense que vous avez pu voir dans une vidéo de l'ouverture qui est sortie. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. On aime bien pêcher avec du leurre comme ça, du Dexter en 25 cm. Très très bon leurre. On a eu des super résultats. Donc là, on a pris un coloris perche. Voilà, un coloris perche puisqu'on a un coloris blanc. Donc un coloris naturel et un coloris un peu plus... Un coloris naturel ici et un coloris un peu plus flash, le blanc. Voilà, donc pas grand chose, hein. 2-3 petits trucs sympas, 2-3 petits trucs pour s'amuser, où il va vraiment y avoir. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir son site, le lien est dans la description, bien entendu. Petit code promo qui vous fera économiser si vous voulez commander. C'est avec grand plaisir qu'il vous l'offre. Et on a 2-3 petites... On aura 2-3 petites surprises puisqu'on a passé les 20 000 abonnés. J'ai pas eu l'occasion de vous remercier. Merci beaucoup. Et on a passé les 10 000 abonnés sur Facebook. Tout arrive en même temps. Merci beaucoup. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, le petit like, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Et à vendredi pour une nouvelle vidéo de pêche. Allez, ciao.